Bonjour à tous, c'est Romain pour Fan Android et aujourd'hui je vais vous parler du OnePlus 6. Ah non, du Oppo R15 Pro. Alors pourquoi je dis OnePlus 6 Parce que le Oppo R15 Pro et le OnePlus 6, OnePlus 6 ici, Oppo ici, sont identiques. Enfin pratiquement identiques puisque le Oppo R15 Pro finalement, eh bien il est beaucoup moins séduisant. Et dans cette petite vidéo de test, je vais vous parler des trois principaux points forts du Oppo R15 Pro et pourquoi il n'a rien à voir avec le OnePlus 6 malgré. Un design qui est pratiquement similaire. Oppo vient d'arriver sur le marché français et tout le monde attend le Oppo Fine X avec son module photo coulissant. Mais Oppo compte également proposer en France plusieurs smartphones dans d'autres gammes, entrées milieu et haut de gamme. Le Oppo R15 Pro est un smartphone plutôt milieu de gamme, mais qui est quand même proposé à 649 euros. C'est beaucoup plus qu'un OnePlus 6 et pourtant il est beaucoup moins bien. Alors, parmi les points positifs de ce Oppo R15 Pro, eh bien on retrouve son design puisque c'est un design qui est identique au OnePlus 6 rouge. Donc il y a une coque en vert qui est rouge, qui a de magnifiques reflets et qui a exactement les mêmes lignes que le OnePlus 6 à un petit détail près, il est légèrement plus grand de 8 mm. La disposition aussi des modules et du lecteur d'empreinte diffère un tout petit peu. On a un lecteur d'empreinte qui est un petit peu ovale et puis un capteur photo qui ressemble un petit peu plus à celui du OnePlus 5T plutôt qu'au OnePlus 6. Sinon de face, eh bien ce Oppo R15 Pro, il est exactement identique au OnePlus 6, c'est exactement le même écran et c'est un écran également qui est très réussi, c'est un écran AMOLED avec un format 19:9 et on a la même petite encoche. La seule petite différence c'est la disposition des capteurs. Ici le capteur est à gauche sur le Oppo, il est à droite sur le OnePlus 6. Et puis la grosse différence, eh bien c'est le port USB puisque sur le OnePlus 6 on a un USB-C et sur le Oppo R15 Pro, on a un port micro USB pour un smartphone à 649 euros, ça la fout quand même un petit peu mal. Alors le design et l'écran de ce Oppo R15 Pro sont très réussis et parmi les autres points forts, on retrouve l'autonomie, puisque ce Oppo R15 Pro il est parfaitement à égalité avec le OnePlus 6 OnePlus 6 qui est une référence absolue en termes d'autonomie. Et malgré le port micro USB, et eh bien le Oppo R15 Pro Propose tout de même une recharge rapide, la fameuse recharge VOOC ou VOOC, qui est une recharge propriétaire. Et eh bien cette recharge elle est également identique à celle du OnePlus 6. Pour rappel, Oppo et OnePlus appartiennent au même groupe BBK Electronics. Alors du coup, ce Oppo R15 Pro il se recharge à peu près complètement en 1h30 et il lui faut à peu près une vingtaine de minutes. Pour atteindre 50% d'autonomie. Voilà pour les points forts et puis bah, pour les points faibles finalement ils sont très nombreux puisque ce Oppo R15 pro il n'est absolument pas adapté au marché français. C'est à dire qu'il propose une interface qui est très mal traduite et puis on a surtout un logiciel qui fait vraiment dater. pour le coup on a vraiment une interface qui fait très chinois et là c'est pas terrible terrible. Le gros souci c'est qu'on n'a vraiment pas l'impression de retrouver un smartphone android par exemple dans la barre de notification et eh bien il est impossible d'accéder aux notifications justement puisqu'à gauche de l'encoche et eh bien on retrouve tout ce qui est information contextuelle on a l'heure on a le réseau le wifi et malheureusement on ne peut pas accéder aux notifications on a plus un système de notification qui se rapproche de celui d'iOS d'ailleurs dans l'ensemble l'interface du Oppo R 15 Pro qui s'appelle ColorOS elle ressemble énormément à iOS c'est un petit peu un mélange entre iOS et l'Android d'il y a quelques années j'ai eu l'impression au tout début de mon test d'utiliser un Galaxy S2, c'est vous dire comme il fait old school. Parmi les autres critiques qu'on peut faire à ce Oppo R15 Pro, eh bien, il y a l'appareil photo. L'appareil photo, il est très moyen. Alors, dans des conditions de bonne luminosité, il s'en sort plutôt pas mal. Mais en intérieur, par exemple, les photos sont de moins bonne qualité, on a du grain et du bruit. Et puis, dans des conditions de basse luminosité, eh ce n'est même pas la peine d'imaginer... Faire des photos de qualité, on a vraiment des résultats qui sont très médiocres. Et puis enfin, le dernier gros reproche qu'on peut faire à ce Oppo R15 Pro, et eh bien c'est les performances. Les performances ne sont vraiment pas à la hauteur d'un smartphone qui est commercialisé à 649 euros. On a un processeur Snapdragon 660 qui en soi a de bonnes performances et il est couplé à 6 Go de RAM. En soi, smartphone est fluide, il répond à la plupart des besoins, sauf en jeu où le smartphone a un petit peu plus de mal à faire tourner les jeux les plus gourmands. Et puis surtout, il chauffe énormément, tant à l'avant qu'à l'arrière, et c'est vraiment désagréable au quotidien. Ça, c'est un vrai point faible. Et la dernière critique, j'en eh ai parlé plusieurs fois euh, au sujet de ce R15 Pro c'est son prix. Il est commercialisé à 649 euros et à ce prix, on trouve des smartphones bien meilleurs. On a donc le OnePlus 6 par exemple. Mais il est également possible de trouver des Galaxy S9 aujourd'hui qui sont proposés aux alentours de 650 euros. Et le Galaxy S9, pour le coup, il est largement meilleur. On a aussi le LG V30. On a, on a aussi le LG G7 qui vient tout juste de sortir mais qui a déjà un prix plus attractif. Et puis on a le HTC U12 Plus aussi qui est très intéressant et qui voit déjà son prix chuter. Alors, dans l'ensemble, Oppo, on se demande un petit peu quelle stratégie il adopte du côté du prix. On a l'impression que la marque, et on espère que ce n'est pas ça du tout, mais on a l'impression que la marque, elle prend les Français un petit peu pour des vaches à lait. Déjà, avec son Oppo Fine X. La marque propose son premier smartphone à 1000 euros, mais à la limite, on peut se dire que c'est juste un produit vitrine que la marque ne compte pas vendre en masse, mais plutôt pour montrer ce qu'elle sait faire en termes de technologie. Avec le Oppo R15 Pro, cette excuse n'est pas valable. C'est un smartphone qui va être commercialisé, c'est un smartphone qui vise les ventes, si possible, massives, mais à ce tarif, ça va être compliqué. Et pour le coup, Oppo n'a pas vraiment pris la mesure du marché français. Son smartphone est moins bon que ses concurrents et en plus il est plus cher. Donc pour le coup, c'est un vrai loupé de la part d'Oppo. On espère pour la marque que les prochains modèles qui seront proposés seront plus intéressants. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc on fera l'impasse sur ce Oppo R15 Pro. On dira que c'est peut-être une erreur de démarrage, un retard à l'allumage. On l'espère. On croise les doigts pour Oppo parce que ça fait du bien d'avoir de la concurrence. Et si ce n'est pas ça, eh bien le constructeur en subira forcément les conséquences. En tout cas, nous, ce Oppo R15 Pro. On le trouve très moyen, son prix n'est pas du tout intéressant. Donc il vaut mieux faire l'impasse pour le moment et plutôt s'orienter vers un OnePlus 6 ou même un Galaxy S9. Voilà, cette vidéo de test du Oppo R15 Pro est maintenant terminée. On a adopté un format un petit peu plus court puisqu'on a suivi un petit peu vos critiques sur la longueur des tests. On a essayé de faire plus court et de viser quelques points. Je mets dans la description le lien vers le test complet écrit du Oppo R15 Pro si vous souhaitez plus de détails. Je mets également d'autres liens pour connaître un peu plus OPO, pour les produits OPO qui ont été annoncés. Et je vous mets également dans la description les liens vers nos réseaux sociaux. Bien évidemment, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner. À notre chaîne youtube et je tiens également à en profiter pour vous remercier pour votre fidélité nous avons franchi la barre des 30 000 abonnés un grand merci à tous ça nous fait vraiment plaisir et on va essayer de continuer à s'améliorer pour vous proposer de meilleurs contenus il ne me reste plus qu'à vous remercier à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao ciao